bonjour à toutes et à tous, c'est Manchu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pendant l'épisode sur Baldur's Gate 3. On est en compagnie de Vincent Labifle. On a, dans l'épisode précédent, réussi à affronter le boss de la forge, hein. Donc c'était plutôt sympathique, on a réussi, avec la récompense du coup, à forger une armure pour Ombrecoeur, donc une armure d'écaille, hein, qui est vraiment très sympa maintenant, la 19 de CA, c'est impressionnant. Et oui, j'ai décidé de forger également l'armure lourde, qui a une classe d'armure de 18 de base, donc c'est vraiment excellent. Je crois que si je le mets à un de mes tanks à Lazel, je pense que là, elle pourrait avoir 20 de CA, c'est juste monstrueux, quoi. J'ai décidé de pas forger, par exemple, j'ai également récupéré les trucs parce que je les avais pas récupérés dans l'épisode précédent. Mais j'ai testé tous les trucs, en fait, en chargeant la partie à chaque fois. Et le meilleur, je trouve que c'est l'armure lourde, hein, le meilleur compromis, c'est vraiment trop fort. La masse, c'était bien, parce que ça ignorait la résistance aux dégâts contondants, mais bon, ça améliore pas vraiment les dégâts de ouf. Pareil pour le cimetière. Les armes, globalement, j'ai pas trouvé ça foufou, hein. Donc le meilleur compromis pour moi c'est l'armure lourde, donc l'armure lourde je pense que je vais l'envoyer au campement du coup. On va l'envoyer au camp, comme ça Lazel pourra s'en équiper quand on y retournera. D'ailleurs on va faire tout de suite je pense, ça pourrait être que bien. Ah mais c'est à dire qu'il faudra que je la mette dans mon équipe et tout le merdier, ah non ça va être relou, en vrai ça va être chiant. Et j'ai décidé également de mettre ça à Vincent, donc l'armure de lâche prise du Kushiko. Parce que finalement, défense patiente, je pense que je vais essayer de m'y mettre souvent du coup, avant de finir mon tour, plutôt que de faire ma rafale de coups. J'essaierai au moins de tester pour voir ce que ça donne, écoutez. Si je vois que c'est de la merde, je repasserai sur la tenue de gorge sang, écoutez. Hein. On va tester des trucs. Voilà, sinon globalement, voilà ce que j'ai fait. Donc écoutez, on va retourner là, je pense. Il faut retourner vraiment en arrière là. Atteindre les tours de Hotlune en passant par la Malforge. Ah, donc là-bas, c'est la suite du jeu, mais je pense que j'ai pas encore tout exploré dans les tréfonds obscurs. Donc on va peut-être retourner dans... On va reprendre le bateau, je pense. Donc on va retourner dans les tréfonds, là. Parce que je crois qu'on a vraiment tout exploré ici, hein. On a plus trop de choses à faire ici. Mis à part tuer des, tuer des nains, là. Mais bon, c'est pas très utile dans l'idée. Je pourrais, après vous me direz, hein, mais bon, franchement, je vois pas trop l'utilité, on gagnerait un peu d'XP, mais bon, ce serait pas non plus incroyable du cul, quoi. Allez, on met cap sur la grotte, je pense pas qu'on se fera attaquer par autre chose. On se fait attaquer, là. D'accord. J'arrive et on se fait attaquer, c'est sympa ça. Et en plus, évidemment Astarion il rate en plus, sinon c'est pas marrant. Pourquoi il m'attaque ce con? J'ai beau chercher là, je comprends pas le délire. Hein. Je peux aller taper sur lui là. Il y a une défense élevée aussi ce pourri. Bon, on va taper. Allez, je vais aller taper. À main nue, mais va taper, connard. Quoi, tu veux pas? Ça y est, attention, le jeu il va encore jouer avec mes couilles là. Impossible d'y aller. Pourquoi donc? Oh, on va te faire mettre. Hein. Putain, je te jure. Quel jeu de merde. Il veut pas. Pff, écoutez, hein, bah il veut pas. Combien lui fasse. Parfois tu comprends pas trop, hein. Parfois c'est incompréhensible ce qui se passe. Ouais, il m'a radio au silence, c'est bien. C'est bien, je vais pouvoir monter lui faire sa fête maintenant, c'est bon. Il va arrêter de me casser les couilles. Allez. Bien joué. Ouais. Et bien sûr qu'il va tout rater, hein, Vincent. Allez, c'est bon. J'ai pas compris pourquoi il m'a attaqué lui, en plus on a même pas eu d'XP. Comprends pas. Bon, soit hein. Pas ça qui change le schmilblick, j'ai envie de dire. La bouffe, ouais. Je suis même pas sûr d'avoir fouillé correctement les cadavres, moi en vrai non. Mais maintenant j'ai un doute quoi. Ça m'étonne mais bon
Ouais, d'accord, ouais, j'ai un peu mal fouillé, moi. Potion, ouais. Regard massacré. Ils sont vraiment fait massacrer en plus, hein. Prendre pour la vente, ouais, de l'or. Je suis pas revenu depuis combien de temps ici, sans déconner. Comment ça se fait que ça fait ça? J'ai tout raté, moi. Y'a quoi sur la mini-map là? Pourquoi y'a ça? Ah, c'est pour atteindre le trou de haute lune, je m'en branle. On va essayer d'aller au sud, des tréfonds. Parce que mine de rien, c'est bien ce qui me semblait, j'ai pas fini d'explorer les tréfonds. Hein. C'est ça qui est incroyable. On va réduire un peu la mini-map là. On voit un peu mieux où on met les pieds là. Je crois que c'est par là. Ah bah c'est pas la peine. J'ai déjà été je crois, non? Non j'y ai pas été en fait. Après faudra aller au nord là-bas, d'accord, ok, ça marche. Vu. C'est descendre par là. Mais si, il y a un coffre, j'ai déjà fouillé ça. Même un alchimiste à la con là que j'ai pas fouillé, visiblement. Yes. Paf. Ouais, j'avais pas fouillé l'alchimiste ici. Ah, c'est pas plus mal qu'on revienne finalement. Hein. Écoutez, allez, on remonte. Cette fois, on va continuer vers le nord. Vers notre destin. Là on est niveau 6 hein. On a de quoi poutrer les saloperies qui vont nous casser les pieds hein. Ça par contre ouais ça me fait un peu flipper. On va sauvegarder, vous savez quoi. Sauvegarder. On va y aller doucement. Parce que là, je n'ai pas encore été dans cet endroit. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer. J'ai envie de péter ces trucs-là, moi. On va se faire baiser. Ça me pète pas à la tronche, là. Non, merci. Bon, je vois les dégâts que ça a l'air de faire, quoi. À l'aide, hein. Ouais, je m'intéresse peut-être bientôt à l'alchimie un petit peu. C'est vrai que j'ai ramassé pas mal de trucs depuis là. Oula, où est-ce que je suis là? J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé, mais ok. C'est de faire gaffe, hein. L'air d'avoir des trous, des conneries comme ça. Ouais, c'est quoi cette merde, là? Ok, bon, bah, ça va être sympa, chant. On a la musique qui s'excite un peu, là. Bah cool, on ramasse des champignons, hein. Oui, oui, c'est... The injuries on this drow are consistent with a fall. A very deep fall. Ah, il est tombé dans les tréfonds. Ah ouais, bah oui, ça pardonne pas, hein. Malheureusement. Rayon de givre, ouais, bah on va voir sa gueule. On va lire ça. Ouais. Voleur. Un gros champignon, bah on prend. Hein. Et le cristal.
J'ai trouvé un truc. Je sais pas si c'était bien. On peut monter comme ça, sérieux? C'est ça, c'est incroyable, hein. Non, et Ombreaker, si elle le fait, elle peut. Sauter sur les champis, quoi. C'est incroyable, hein. Ah d'accord. C'est ça. L'arnaque, il y a des illusions, quoi. Il y a un truc tout en haut, là. Heureusement, je crois qu'il y a Combrokeur qui pourra y aller, quoi. On peut aller là-haut. Pas une illusion. On va sauvegarder parce que ça a l'air d'être vraiment chaud là. Hein. Ah la baise. Ah oui, d'accord. C'est vraiment chaud, hein. Ça va. D'accord, on va ramasser toutes ces merdes là. Hein. Ah, intéressant. Cercle de champignons. À faire ça. Ah ah. Allez, on y va tous. Looking ahead. Light on my feet. On aura tous notre jet de perception. Ouais, comme ça je peux rien fouiller. Ouais, c'est génial. Putain, je vous assure, quel jeu de mort. Alors tu ramasses, connard. Voilà. Je suis dans le tunnel envahi par la végétation. Ce qui me fait atterrir où là pour le coup? Poulet entier. C'est une illusion encore là. Attendez, ça me dit quelque chose. Putain, je suis revenu au repère de la... de la guenaude. Mais c'est incroyable, le level design, putain de malade. Non. Putain, c'est ouf, par contre je peux pas passer. À moins de tirer un truc, ouais. Je peux pas passer, bon tant pis. Au moins on sait qu'on vient ici, quoi, c'est pas mal. Et bah dis donc. C'est ouf, hein. Putain, ce level design de zinzin, quoi. Ça me fume.
Mon dieu. Dommage qu'on a tous raté notre G par contre là. C'est le seul regret que j'ai hein. Non, on a eu que des trucs éclatés là. T'as réussi à trouver un truc? Bon. Oh non non, oh là là, barrez-vous. Barrez-vous putain! Désolé, je me suis énervé mais j'ai cliqué sur la barre de menu en fait au lieu de cliquer sur bah là en fait. Du coup bah ils se sont fait avoir comme des grosses geeks quoi et ça m'énerve. Voilà. C'est tout simplement hein. Y a pas mieux hein. Je vais me faire faire une crise cardiaque un de ces quatre quoi, je vous jure. Bon, on va repasser là-dedans du coup. Ça va être la turbo chiasse, j'imagine. Je vais peut-être voir si je peux pas faire des potions aussi également. Allez. Débloquer des recettes. Potion de Mont Glorieux, faudrait peut-être que je m'en fasse une à l'occasion. Potion de feuille morte, pas besoin pour l'instant. Les élixirs, j'ai quoi d'autre? Déplacement rusé, ok. Résistance au feu, ouais, ok, sympa. Des grenades. On a de la sport toxique, d'accord. De l'enduit, oui, bon, de la combustion, de la malice, etc. Du poison, bah ok, bah ça va, on a pas mal de trucs quand même. Sympa. Alors par contre, oui, on va lâcher ça tout de suite. Je crois que ce truc-là, ça veut pas... ça veut ma mort, hein. On va essayer de courir. Il m'a touché ou pas, là? Oh merde. Alors que je cours moi. Quel enfer. C'est pas évident hein. Voilà l'arcanique qui veulent ma mort là en fait. Et putain, et vous avez vu ce qu'il a failli faire? Il a failli faire un grand tour cet abruti là. Gagner de l'expérience, ok. Putain, espèce de connard, tu vas sauter ouais, au lieu de faire le sbire. Waouh, la vache, et oh putain, c'est détendre un peu là. Hein. Ouais, par contre, il me touche à travers le mur, c'est une plaisanterie. Hein. Ah, par contre, ouais, faut le taper. Hein. Non, mais sérieux, c'est une blague. On peut pas le désactiver cette merde là en fait. Non, ok, d'accord, je charge la partie. Hein. Oh putain! Et je crois que j'ai pas sauvegardé avant de faire ce truc de merde, donc en fait je vais devoir me retaper l'ascension là, bon tant pis, je réussirai peut-être mon jeu d'investigation MDR. Oui alors oui les amis, donc c'est bon, j'ai fait le truc, j'ai fait tout ce qu'il fallait, maintenant on est revenu là. Alors j'ai réussi le jeu d'investigation que j'avais raté justement, en fait c'était juste pour me prévenir qu'il y avait un mur illusoire, alors sauf que chose que je savais déjà. Donc rien de transcendant. Donc, maintenant, on va essayer de se déplacer. Et essayer de voir pourquoi je me suis fait baiser tout à l'heure en fait quoi, c'est surtout ça le souci. On va passer au tour par tour je pense hein, parce que Vincent plus il y aura une bonne capacité d'esquiver cette merde là. Même si je sais pas où aller pour désactiver cette tour à la con là. C'est ça le problème. Je sais pas s'il faut activer la tour ou s'il faut aller quelque part, je sais pas du tout en fait, c'est ça le problème.
C'est activé peut-être. D'accord, donc ça me tire dessus alors que je me déplace. C'est incroyable hein. C'est vulnérable aux dégâts de foudre, ok, d'accord. C'est vulnérable à quoi d'autre? La radiance, elle s'en fout. Du solide en fait, quoi, ouais, d'accord. Les dégâts de foudre, quoi, ok. Gabe peut peut-être faire quelque chose en fait, non? Je prends la max, oui, je sais, je prends la max, oui, c'est bien, merci connard. Merci du con. On va rattaquer. Échec critique. Vous y croyez, un échec critique. Je l'ai mis à terre, ouais, ouais. Ça change rien visiblement. Hein. Allez, vas-y, mets-moi la max, enculé. Bam, bam, c'est bien. Je t'en supplie, est-ce que tu peux taper cette merde et toucher? Par pitié, je t'en supplie. Non, non, il veut toujours pas, hein. Ouais, j'ai beau claquer tous mes points de ki, non, 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 il s'en bat les couilles, hein. Quel enfer, hein. Je vais mourir, hein. Parce qu'en plus, j'esquive rien, hein, donc c'est ça qui est génial avec ce jeu. C'est que les ennemis... Ils esquivent tout, mais moi j'esquive que dalle quoi. En plus il est pas mort, ah bah oui, bah oui, bah oui. Évidemment. Pourquoi se prendre le cul? That way. Faut l'aider, connard, hein. Voilà. Je préfère ça. C'était bien de la merde. Hein. Ah, ça va être sympa de l'avoir, lui là. Ouais, raté, bah oui, bah oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Toujours un plaisir. Hein. Y'a une retourne, s'il te plaît. Allez. Ça va, tu rates pas 80 pour ça, cette fois. Ouais, faut jouer comme ça avec Gael, je pense, et puis y'a comme ça que ça marche, quoi. Donc je me suis bien cassé le cul pour rien, quoi. Allez. Bam. Ah mais ça me coûte un emplacement de sort en fait de faire cette merde, j'avais pas vu moi. D'accord, bah écoutez, hein, on va faire ça, hein. On va sortir du mode, c'est bon, oui. J'avais pas vu que ça me coûtait un emplacement de sort, je pensais que c'était un sort gratos moi ça. Bon bah voilà, je l'ai bien dans le cul. C'est génial.
J'ai dans le cul sur tous les trucs, hein, là sur tous les éléments du tableau, hein, c'est génial. Putain, quelle arnaque. Bon, c'est pas grave, on va faire une restauration magique. Deux restaurations magiques. Allez, trois restaurations magiques. Voilà, c'est bon, il n'y a plus de piège. On est tranquille. Nelly Ducon. On rate tous nos jets parce que depuis le début de cette vidéo, je rate absolument tout. Ce qui est incroyable. Là, j'ai l'impression d'avoir un retour de karma qui est horrible. Là, c'est juste insupportable en fait. Vincent, faut te soigner, hein. Bon, allez, Balek, encore une. Tant qu'à faire, hein. Je suis plus à ça près, hein, lol. Allez. Est adressé à mes couilles. Lingot de bronze, on s'en prend. Ça se revendra. Un coffre lourd qui est fermé. Astarion, tu vas me déverrouiller ça. Ça je le réussis lol, avec un milliard de bonus en même temps hein. Bon, tu vas le prendre écoute, et tu vas prendre les lingots d'argent à la vente. Mais pourquoi il y avait ces pièges de merde ici en fait, c'est ça que je comprends pas. On va se champlar. Et ça a ramassé aussi, on va le faire. On va continuer. Voilà. On ramasse tout, hein. Voilà. On peut continuer là-haut. La tour en ruine, ou alors je peux continuer par là en descendant sur les Champlars. Ce qui me branche pas mal, je vous le cache pas. Et d'un côté, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe ici. Wizard's Tower is his sanctum, private place for research and respite. But as this wizard's not home, I say we take a peek. Il y a encore des tours de merde. Je viens de les voir. No way to ignite these. Strange. No way to ignite these. Strange. Tu dis ça? A broken moon. Non, ça marche pas. Et si j'ouvre cette porte là, ça va être l'enfer. Je vais pas passer par là. Hein. On va carrément passer par les côtés. Parce que je le sens pas du tout cette daube là. Je sens que ça va être l'enfer. Il y a un arbre là-bas et tout. Et ouais, tout a l'air de me dire, ouais, essaie de passer par là plutôt parce que l'entrée, tu vas te faire défoncer le huc quoi. Donc ouais, on va faire ça plutôt. Putain, mais c'est... L'exploration, c'est infini, hein. Allez, on saute. Voilà, tout le monde est passé, c'est génial. Et on avance maintenant. Voilà. C'est vraiment, je croyais qu'il avait cassé les couilles, mais non, ça va visiblement.
Ok, bon, elle est là, hein, du coup. Paf. C'est réel, je prends des dégâts. Non, c'est une blague. Ça m'emmerde de prendre un point de dégâts sur ça, mais bon, tant pis. Les autres, je vais devoir les faire tomber aussi, hein, j'ai pas le choix. Hein. Putain, c'est vraiment de la merde. Hein. Moi, je perds carrément moins de dégâts. Eux, ils vont prendre la max, quoi. Mais bon, pas le choix. C'est bon, youpi, hein, on est content de s'être pété le tibia. Fois 15. On va rester séparés, puis je vais peut-être faire un déguisement là. Allez. Là, c'est là-dedans, toi. Eh ben non, ça passe pas. Là, on n'aurait pas pu passer par ici de toute manière, c'était bloqué. Non, je regrette pas d'être passé par là, hein. Mais bon, je suis un peu dégoûté, quoi. T'as repris des dégâts pour rien. Champlard bleu, ok. Sous de cette merde là. You have my attention. Ça ne s'allume pas. Peut-être que Gale peut l'allumer, non? These are no ordinary lights. And there must be a way to turn them off. Should mind my step. On vient trouver le moyen, hein. Ah, la fleur de Susurro, c'est pour faire l'arme maître. Incroyable. Putain. Oh, c'est trop simple. Je vais faire une sauvegarde, mais genre une quick save, une nouvelle sauvegarde. Sur les tréfonds obscurs ici, oui, oui. Je vais la faire ici. Parce que je le sens pas, là, cette affaire. Je sens qu'on va se faire surprendre. Dès que je vais ramasser ça, c'est trop important, en fait, si vous voulez. Je suis en anti-magie. D'accord. Je vais retirer ceux qui savent utiliser de la magie de ce champ de merde. Parce que sinon ça va pas être ouf. Hein. Je ramasse une fleur de Susurro. M2. Et du coup, je peux pas lancer de sort, moi. C'est pour ça, d'accord, ok. C'est bien d'avoir ça, mais putain la vache, ouais. C'est le bordel, hein. Et si je suis à côté de mes potes, ah putain, l'enfer. Ouais, d'accord, ok, je vois le genre, c'est vraiment de la merde, faudra vraiment que je teste la fin de ce...
truc, quoi. Brasions ne sont pas ouverts. C'est très bizarre ça par contre, mais il va falloir que je passe par ici pour rentrer, j'ai pas le choix moi. Castarion, tu vas devoir projeter, t'as pas le choix. Let's crack it open. Ça va, il peut le faire. Je vais y aller tout seul pour commencer, hein. Et des pétales bleu fané. Champignons vieux dragon, ok. Anti-magie. Il y a des recherches. Une fronde nocturnielle. Quoi ça? Un ingrédient pour faire de la des potions, ça je pense, hein. C'est sûr. Pétale bleu fané. Non, c'est pas un truc d'alchimie, ça. M'en fiche du coup. Par contre, j'ai de quoi faire des potions, je crois, là, ouais. Bam. On le fait, hein. Allez, on le fait. Générateur d'énergie, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Y a des pétales bleus, mon petit dôme dit qu'il faut mettre quand même une fleur de sucreau. Hein. J'en ai besoin que d'une pour faire l'arme maître, j'en mettre une. Il se désactive, comme ça, hein. C'est bon, on risque plus rien. Dans cette tour de merde, là. C'est cool. T'as juste une fleur de sucreau, ok, d'accord. On va très bien. Impeccable. Et ça, on l'a découvert tout seul comme des grands. C'est bien. C'est cool. Bon, du coup, les autres, venez, hein. On va y aller doucement quand même, j'ai pas envie d'y aller comme un gros barbare. Il nous reste quand même une fleur de sucreau, hein. Pour la quête de l'arme maître. On l'utilisera, bien sûr. Un collier, détection de pensée, on va l'envoyer à Gail. Faut vraiment qu'on fasse un putain de trip plus tard, quoi. On va grimper dans cet ascenseur. Allez, on monte. C'était un téléporteur, très bien. Je peux sortir par là du coup maintenant. Exactement. C'est pas le bon endroit que j'avais vu en fait tout à l'heure, ok, on est un peu ailleurs. Au bon endroit. On a toujours pas trouvé le champ de nuit, j'y pense. Je me demande si on se rapproche ou pas. C'est vrai que là j'explore, mais je tombe pas sur des trucs incroyables, hein.
50 tonnes de jute. Tomate pourrie, non, c'est mort. Il y a un truc de flotte là. The pourri, non, c'est mort. Je vais arrêter de fouiller cette merde. Pourquoi le labo est intéressant ici, n'empêche. Langue de folie. Ça peut être sympa ça pour faire des trucs, ouais. Attends. Ah ok, putain d'accord, on a également des sports de trimasque. D'accord. Nous aurons également les sports de trimasque. Ah ça je sais pas ce que c'est par contre les sports de trimasque. J'ai pas... Ah ouais, c'est ici, il y a des sports de streamask ici aussi, hein. Ah, il y en a là. C'est bon. On a tout ce qu'il faut. Allez, bim. Voilà. Pour retourner voir machin. On est quand même resté discret, j'avais pas envie de me faire gauler, hein, pour X raisons. Quand on est là, hein. Je vais pas regarder dans les sacs, ça sert à R, que dalle. Juste de la merde. Ben non. Faut que je remonte dans l'ascenseur, je pense. Et que je continue de monter. Ouais, on peut continuer de monter en plus. Il y a deux boutons. J'ai ce que je veux. J'ai ce que je suis venu chercher là. Donc c'est pas mal. On est bien là. Allez, on est monté. On est au dernier étage. Les canons arcaniques sont désactivés. La porte, on peut l'ouvrir et se barrer. Sauf que ce n'est pas cette pièce-là, bien sûr. Je vais rester discret, pas me faire gauler par cette merde-là. Les secrets sur Souro a gagné de l'inspiration. Quoi ? Pourquoi elle s'est réveillée, la tour de merde, là? Apparemment, elle m'attaque pas. Ah, poisson de communication avec les animaux, résistance au feu. Ah, je suis encombré, c'est dommage. Mécanisme cassé. Faut que je donne des trucs là parce que je suis trop encombré, ça fait chier. Scinder la pile d'objets, moitié-moitié. Et on va envoyer la moitié peut-être à Starion, je pense. Hop là, voilà, comme ça il me désencombre un peu. Je suis toujours encombré, c'est une plaisanterie. Pourquoi je suis toujours encombré? Où j'envoie des trucs à machine là, à Micheline. Genre ça oui, on broker. Tous les jours genre... C'est bon, je suis moins encombré. On pourra se barrer si on souhaite. Livre poussiéreux. Seems like the owner was quite the literary type.
Parchemin d'armure de mage. Du coup, je peux l'ouvrir. Feuille morte. Ouais, c'est à Gail. Pareil, Gail, les parchemins, tout ce qui est parchemin, c'est Gail. Ça, on ajoute à la vente et je prends une bombe, ouais. Il fallait du truc anti-magie pour marrant ça. Hein. Écoutez, ça marche plutôt bien. On a réussi à avoir tout ce qu'on voulait. On se casse. Bon. Putain, on a tellement de bordel dans notre inventaire, mais bon, du coup, c'est bon, on a tout exploré. Où est-ce que je vais maintenant? Ouais, c'est pour retrouver nos salons de thé, je m'en fiche. Parce que dans les tréfonds, il y a à gauche où j'avais pas été, c'est quand on arrive en plus, hein, donc ouais, c'est à l'avant-poste, c'est unit. C'est dès qu'on arrive, donc c'est un peu con de pas y avoir été. Donc là, je peux pas faire mieux, en fait. Même là, ouais, on faut vraiment arriver de par là-bas, je crois. Alors vraiment que j'entends voir les champis, quoi. Sinon, il y avait une zone là-bas que j'avais pas été, je crois. Si? Je sais plus si j'y avais été. Parce qu'après, on peut aller là-bas, hein, retrouver Baylen. Les ramasseurs de champignons, ouais. J'ai pas tout exploré encore au nord, mais bon, il en a des trucs à faire à la surface. Village dévasté, potentiellement, pour faire l'arme de maître, ouais. Peut-être regarder à ça. Attendez, parce que du coup, ouais, je divague un peu, je sais même pas combien de temps on est rendu de vidéo. Ouais, 51 minutes. Ok, les amis, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Donc, on a exploré la tour de mage, c'était sympathique. On a la fleur de... J'ai encore, hein. Mais putain, c'est pas vrai! J'ai plus que le pétale, c'est une plaisanterie. Attendez, j'ai envie de tout casser là en fait. Parce que pour faire l'arme de maître. Attendez, parce que j'ai envie de tout brûler, j'ai envie de tout brûler là. Où je regarde un peu là. Puis la cave, terminer l'arme de maître. Ouais. Trouvez le croquis mentionné par le journal. L'écorce de Sucereau, nous avons la possibilité de forger une arme de maître. Trouver un Sucereau. Bah j'en ai. Mais je sais plus comment faut faire. Parce que j'ai un pétale de merde là, mais j'ai plus le Sucereau quoi. Il m'a été volé quoi. Putain, les sales petits hobbits quoi. Ils me l'ont volé. Bon, écoutez, on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les vidéos. C'est le cas, vous abonner à la chaîne. À cliquer sur la cloche de notification. Je vous fais des bisous à la prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous, je vous bien. Salutations.